Bonjour, je suis Elisabeth de Dragée Chocolat de Lima. J'ai repris cette entreprise en septembre 2015 après avoir développé pendant une vingtaine d'années différents réseaux de franchises et accompagné des porteurs de projets. J'ai voulu passer le cap de l'entrepreneuriat et c'est pour cette raison que j'ai racheté cette entreprise connue et implantée sur le territoire du Beaujolais. Nous vendons aux particuliers et aux entreprises toute une gamme de produits tels que les chocolats, dragées, confiseries, un peu de décoration pour les événements privés ou d'entreprise. Nous vendons à travers un magasin physique, mais également à travers un site marchand. Et nous envoyons nos produits en France et à l'étranger. J'ai à mes côtés une équipe de 4 personnes qui m'aident et qui m'accompagnent dans le développement de l'entreprise. La Dragée Étienne est une marque que nous avons créée fin 2019 pour dépoussiérer l'image de la dragée, qui est trop souvent associée à des événements de type mariage, baptême, communion. Grâce à des saveurs originales, caramel beurre salé, coulis de fruits, guimauve, amandes spéculoos, notre objectif est de démocratiser l'usage de la dragée, de capter un nouveau public. La dragée devient alors une gourmandise de tous les jours pour offrir ou se faire plaisir. Grâce au vif succès rencontré par la Dragédienne au sein de notre propre boutique, notre volonté est de développer la marque auprès de différents revendeurs en France comme à l'international. Grâce à une présence dynamique sur notre site internet et nos différents réseaux sociaux, les revendeurs La Dragédienne bénéficieront d'une communication qui mettra en valeur leur entreprise.